Bon, salut tout le monde. Comme vous voyez, me voilà de nouveau en forêt avec Christophe qui est par là-bas. Un petit bois qu'il a déjà fait, mais bon, pas complètement, donc on va continuer. On profite parce que la neige a bien rabattu les ronces là, et donc bah, il faut y passer. Hein. D'habitude, on peut pas. Il fait très beau, on est le 17 février, donc il est à peu près 13h30 en gros. On a un super point de vue, je sais pas si vous apercevez au fond là, on aperçoit le ballon d'Alsace, mais bon. Et on a surtout un super soleil. Il fait un peu plus froid que hier parce que il y a de la bise, hein. Mais bien couvert et à l'abri du vent, il n'y a pas de problème. Donc première trouvaille, ben, hier j'avais pas fait de monnaie. Et là, la première trouvaille au bout de 5 minutes, hein, qui se trouvait dans ce trou bien humide, là, bien boueux, c'est une monnaie. Voilà, qui se trouvait là. Voilà. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air bien méchant. Bien, pardon. Bien vieux. Je dirais. Allez, je dirais du puits. 5 centimes du puits. Donc ben, ça commence bien. Hein. Une petite monnaie d'entrée comme ça. Attendez, j'en garde. Une collante hein, à l'intérieur. Ouais, c'est bien ça. Hein. Quoique, je sais pas. Si ça doit être ça, ça doit être une 5 centimes du puits. Je confirmerai tout à l'heure, enfin, ce soir, après nettoyage. Voilà. Donc ben, on va continuer, on va ratisser un petit peu. Là, il y a des espèces de chemins faussés. Là, bon, ben, on fait les alentours et puis voilà quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, nouvelle trouvaille. Donc pour info, hein, je suis en Gmax, discret à 0, réactivité à 2, et puis sensibilité à 95-96. Voilà. Et je ratisse. Donc bah, deuxième trouvaille qui se trouvait dans ce trou ici. Là. Voilà, dans la neige. Donc c'est une jolie petite boucle. Décoré, on va dire 18e en gros quoi. Voilà. Jolie boucle, quasiment entière, hein, il manque juste la chape. Il y a l'ardillon. Voilà, petite boucle en bronze, cuivre. Voilà. Bon, ben, un peu plus de trouvailles par rapport à hier déjà. Hein. Là, en quoi une demi-heure, j'ai fait une monnaie puis une boucle. Donc ça commence pas trop mal. On va continuer et ratisser. Allez. Bon, j'ai un bon son là, à cet endroit-là. Je vais essayer de faire un direct en posant l'appareil photo. Voilà. L'indice. C'est dans la motte là. Bon, c'est un éclat. Je sais pas quoi. Une merdouille. Allez, à tout à l'heure. Bon, après encore un éclat.
nos buts, hein, je suis toujours en bordure de ce chemin là, hein. Je fais donc j'ai ratissé là comme ça, tac tac, voilà. Et puis là un son très petit. Bon, il y avait l'épaisseur de la neige. Bon. Et puis tout qu'on fait, au fond, hein, on voit, je sais pas si vous voyez là. Là, il y a une monnaie. Voilà. Une monnaie. Bon, après pour vous dire ce que c'est, faut la laisser sécher, la nettoyer, je pense. Hein. Mais bon, c'est une monnaie. Voilà. Ben, c'est mieux que hier. Hein, déjà. Voilà, elle était loin celle-là. Vous voyez, bien 20 cm, hein. Facile. Hein. Bon, j'avais un petit son et puis en creusant, ben, le son s'est amélioré. Quoi, hein. Moindre petit son, il faut être attentif. Quoi. Voilà. Bon, ben, on va continuer à ratisser. Hein. C'est bien. Le Christophe est remonté un peu plus haut. On a toujours un magnifique soleil. Là, franchement, on en profite à fond parce qu'on avait vraiment besoin du soleil. Voilà. Allez. Bon, on a changé de bois parce que le premier, premièrement, beaucoup de neige. Plus de neige que hier. C'était un petit peu pénible pour marcher. Et puis aussi parce que pas beaucoup de trouvailles. Donc on a repris un petit bois un peu moins enneigé, on va dire, un peu plus plat. Et puis mes premiers sons. J'ai fait deux trous, l'un après l'autre, là, pour trouver deux petites monnaies en cuivre. Bon, a priori, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et on se fait une petite boursée, je pense. Il y a un trou là. Et puis le premier était là. Donc voilà. Hein. Je vais ratisser et puis on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Allez. Bon, bonjour à tous. Ben, comme vous voyez, je suis dans les bois. Il n'y a plus de neige, mais ce coup-ci, ça retombe. Donc, si ça ne s'arrête pas, ça va encore tenir. Donc, j'en profite. J'ai rejoint Christophe, qui est par ici. Là-bas. On est dans un joli bois dégagé. Avec des chemins partout, donc des axes entre villages et tout, donc on devrait faire quelques découvertes. Donc je vais mettre cette vidéo à la suite de la première, hein, où on était dans la neige et on n'avait pas fait beaucoup de trouvailles. J'espère qu'aujourd'hui ça va mieux aller, sinon on prendra le bol d'air, hein, comme d'habitude. Mais bon, je le sens, il doit y avoir des petites monnaies qui traînent par-ci par-là. Au revoir. En tout cas, on voit ici une première, hein, qui se trouvait dans ce trou-là. Là, un petit indice style cul de cartouche. Et en fait, c'est une petite monnaie. Alors, j'ai gratté un petit peu, mais en dessous, il y a une belle patine. J'espère qu'il n'y a pas que la patine et qu'il y a encore des reliefs. Voilà, petite monnaie pour commencer. Voilà. Donc pour information, je suis en mode GVAX. Sensibilité quasiment au maxi. La discrie elle est à zéro parce que c'est très très propre. Voilà. Donc on risque d'aller un peu profond. Mais bon, voilà. Et je vous dis à tout de suite. Bon, Christophe est par là. Bon, après un long moment de... pas de solitude, mais sans rien trouver, environ 3 quarts d'heure, hein, un petit son qui m'a incité à creuser, qui n'était pas bien profond. Et puis voilà, on va se trouver dans ce trou-là. Hein. Voilà. Une jolie clochette. Voilà, une belle clochette. Pas trop mal. Et encore le tâche en fil de fer là. Enfin, fil de cuivre plutôt. Il n'y a plus le battant, mais bon, c'est pas grave. Une petite clochette sympa. En plus elle est décorée. Parce que c'est ça, ça a un défaut de couleur. C'est bien sympa. Une belle petite clochette. Voilà, j'aime bien ce petit objet là, c'est toujours plaisir. Donc je pense que c'est peut-être un chien ou alors peut-être des chèvres ou des moutons, je sais pas.
pochette de pâturage en tout cas. Voilà. Bon, bah c'est bien. Allez, on va continuer là. Hein. On va essayer de ratisser un petit peu, puis on va continuer. Voilà. Donc il s'est arrêté de neiger. Il fait moins froid parce que tout à l'heure j'avais froid aux mains. Hein. Mais bon, à force de creuser sur les merdouilles, ça m'a réchauffé. Quoi. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, on l'a trouvé au bord de ce petit, cette petite mare là, qui est bien gelée. Donc il y a un chemin là, je suis en train de le faire. Voilà, on trouve une monnaie, c'est une Dupuis, hein. Une belle patine noire. Voilà, jolie patine, une Dupuis. Tranquille, qu'est-ce que ça fait là-bas? On va continuer sur le chemin.